Nous, ici, là, quand il pleut ici, on a énormément de problèmes ici. L'eau rentre dans toutes les maisons de Bessia, cité de l'air. Commencez par ici d'abord, jusqu'à l'autre côté. Mais nous, ici, c'est le ministre qui est venu gâter le pays. Quand il est venu, le jour qu'il est venu, moi-même, quand il est venu, c'est moi qui l'a parlé. Je lui ai dit, monsieur le ministre, il ne faut pas gâter le coin là. Nous, on est à risque ici. Il n'a pas écouté. Et maintenant, quand l'eau est rentrée cette année, il est venu, lui-même, il est venu, semaine sur le passé, il était là. Quand il est venu, je l'ai expliqué. Il dit vraiment, le coin là, nous, on est à risque comme ça. On est à risque parce que l'eau rentre dans les maisons. Il nous a dit qu'il n'a pas de moyens. Or, que la machine était en position ici. Quand la machine est venue, il n'a fait que enlever les ordures qui sont dans le fossé et laisser là-bas et partir encore. Et maintenant, quand l'eau vient, maintenant, c'est le problème. Les gens ne peuvent pas circuler. Même les voitures, l'autre côté de l'autoroute là-bas, l'eau quitte là-bas pour aller l'autre côté aussi. Ça fait l'inondation partout ici. Là. Personne ne peut rester ici. Là. Donc, c'est notre difficulté aujourd'hui. Vous parlez de quel ministre? Moi, je parle de ministre Kourouma. Ibrahima Kourouma, de l'aménagement et du territoire. Oui, je parle de lui. Il me connaît. Quand il me voit sur la télé, il va me reconnaître. Il me reconnaîtra. Justement, quel message avez-vous à lancer à l'endroit du gouvernement? Voilà, quel message qu'on peut faire? Le président n'a qu'à faire face à nous. Sinon, la famille, là, nous, on ne sait même pas là où aller. On n'a rien. C'est l'État seulement qui peut nous aider et la grâce de Dieu.